tenir debout. Amen. Amen. Il est ce soir au milieu de nous, bébé. Il est le premier responsable du centre Seigneur de Zaloko, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Mesdames, ce soir, sous vos acclamations, j'aimerais vous présenter le prophète Joël Castro-Charron que nous avons bien accompagné. La gloire, toi qui es Yeshua, El Machia, c'est Jehovah Shammah, l'Éternel qui est ici, et nous croyons tellement en ta présence. Parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous croyons tellement en ta présence. Nous croyons nos délivrances, nous croyons nos guérisons, nous croyons la restauration de chacun d'entre nous. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dis amen. Amen. Même s'ils sont arrivés de demander, je dis à quelqu'un que tu es béni. Alléluia. Dis à quoi quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un. Amen. Viens vous asseoir, que Dieu bénisse. Vous êtes ici, c'est le cabinet Peniel, un cabinet d'écoute. Et nous avons notre centre ici, c'est un cabinet d'écoute. C'est bien précisé, donne-moi le prospectus là. C'est un cabinet d'écoute, de délivrance. Et notre centre de délivrance se trouve à Zaroko, à 40 km d'ici. Là-bas, nous internons les malades, ceux qui sont atteints d'une possession et tout ça. Ici, c'est un centre d'écoute, en même temps, un lieu d'hébergement, de retraite. C'est-à-dire, vous pouvez vous retirer ici et tout ça. Amen. Donc c'est un cabinet d'écoute. Je prends le temps de vous écouter. Pourquoi? Parce que le prophète est un guide spirituel. C'est un guide, le prophète est un consultant. Vous pouvez venir consulter le prophète par rapport à vos projets et vous orienter. Vous pouvez consulter le prophète si vous avez un problème, souci spirituel, parce qu'il est un guide spirituel. Et notre particularité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne faisons que ça. Quand je me lève matin, je cherche à comment attraper sorcier. Matraquer. C'est mon travail. Parce que la présence de la sorcellerie est un danger. C'est comme le policier, c'est le matin, il a son revolver, il va attraper le voleur. On l'a formé pour ça. Moi, mon travail, c'est comment attraper le sorcier, le désactiver ses dents. Vous n'êtes pas qu'il mange ouya. Amen. Vous n'êtes pas que vous mangez avec chocolat, avec sauce copain, la cali. Voilà. Parce qu'eux, ils sont faits pour ça. Ah non, les sorciers, ils veulent manger, mais eux, ils mangent l'homme. Tu as poulet sans propriétaire, ils vont te manger. Comment tu peux vivre dans la vie et tu n'as pas Dieu? Ils ont raison sur toi. Jésus dit, nous sommes ces brebis. Le diable lui mange ses moutons. Et toi tu es frais parce que le diable te mange. Mais il a faim. Toi tu ne manges pas gaba matin. Par exemple, tu manges gaba, tu manges la galère sans graines, et puis les pommes. C'est comme ça qu'il vient te manger. Et je t'ai poulé sans propriété. Si tu as l'Éternel avec toi, il sera difficile que le sorcier te mange. Ah non, les sorciers viennent te manger. Parce que tu n'as pas Dieu. On ne vit pas une vie comme ça sans Dieu. Amen. Amen. Qui est celui-là qui te conduit? C'est ça. Dans le psaume 60, verset 14, dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Tu cherches femme des gens, tu vois, tu fais les choses bizarres. Toi, tes frères, aujourd'hui, que les sorciers te mangent. Tu cherches femme, mari des gens. Et tu ne veux pas que les sorciers te mangent. Ils doivent te manger. Et le salaire du péché, c'est la mort. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est exposé au diable. Amen. Donc ici, c'est un son de prière, un fait son de cause. Nous prenons le temps de vous écouter, nous prenons le temps de régler vos soucis de sorcellerie. Nous allons, par la grâce de Dieu, visiter déjà beaucoup de régions au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai fait la plupart des régions de la Côte d'Ivoire, les régions les plus terribles de la Côte d'Ivoire. Ah, voyez-moi dans le truc, dans l'étagère, le journal de Suisse Assemblée. Le Seigneur m'a utilisé à démasquer la plus grande sorcière de Côte d'Ivoire, qui est la 4e, 6e sur le plan national, et qui dégradait la côtière en glace, Abidjan, San Pedro. Elle s'appelle Koubaron. Et dans les aveux, les journalistes m'ont rapporté ça. Vous voyez ça, c'était en 2012. Vous voyez ça?
Je vends avec du sang humain, c'est moi qui détruis la côtière. Nous avons aussi démasqué aussi une sorcière dans ce village, c'est Allopolis ici. Un journal de la place Allopolis hebdomadaire du 11-17 juin 2012. C'est sorti en 2012. Nous sommes allés dans cette région. Le Seigneur nous a puissamment utilisés dans cette région. Il y avait déjà, dans un village qu'on appelle Nyavo 2, les gens avaient déjà mangé une dame et dont la chair n'était pas encore finie, c'était dans un deuxième village. Donc il fallait aller récupérer la chair pour qu'elle ne puisse pas mourir. Et c'est ça notre spécialité. Vous savez, quand la sorcellerie tape les gens parlent, ah, comme c'est les sorciers, c'est fini. Mais la solution, nous allons jusqu'à la restitution. Nous, nos domaines, nous allons jusqu'à la restitution. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. Quand tu arrives à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle les généralistes. Si tu tombes sur un médecin généraliste, il va te conseiller un spécialiste. Et quand tu tombes sur un spécialiste, ton problème est réglé. Ce n'est pas tout le monde qui voit qui délivre. Il peut voir sorcellerie, mais pas délivrer. Lui, c'est un généraliste peut-être. Il ne peut pas te délivrer de ça. Le scanner ne peut pas te soigner. Il te donne le résultat. Tu as telle maladie, mais ce n'est pas ce qu'il soigne. Il faut tomber sur celui qui peut te soigner. Et c'est pour cela que souvent, la plupart, les gens ont le problème qui sorcellerie, ça ne bouge pas. Parce qu'on n'est pas tombé sur l'homme qu'il fallait. Si tu tombes sur l'homme qu'il faut, il est comme une clé. Il va t'ouvrir les portes. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes. Dans deux chroniques, on suit, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on bavarde dans la présence de Dieu. Sinon, je vais même vous faire sortir. Quand Dieu est lancé, c'était. Amen. Deux chroniques 20, on dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermi, et en ses prophètes, vous resterez. Donc Dieu, il est puissant. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est parce que les gens limitent Dieu. Sinon, Dieu est puissant. Je suis dans une zone minière. Vous savez, pour extraire de l'or, il y a un appareil, n'est-ce pas, qui détecte de l'or à des kilomètres. Si l'homme a pu faire ça, ce n'est pas Dieu le plus grand scientifique. Il ne peut pas faire. Moi, je suis épaté parce que Dieu me fait. Je perds dans un village. Je suis là, je vois des kilomètres, des fétiches, je vois des profondeurs dans les Canaries, je vois des choses. Dieu est puissant. C'est parce que les gens limitent Dieu dans nos églises. En principe, quand on va à l'église, Dieu doit résoudre nos problèmes. Mais nous limitons Dieu. Dieu ne croyait même plus au miracle. Dans d'autres églises, on ne prie pas. Non, ça fait des prières où on ne chasse pas les démons. Mais là où les démons ne sont pas chassés, ils sont installés. Ils s'installent. Ils sont faits pour être chassés. Et le pouvoir que l'église a reçu, c'est de chasser les démons. Pas pour cohabiter avec eux. Un démon, on le chasse. Dis à quelqu'un, un démon, on le chasse. Et la plupart de nos problèmes sont à base. Les démons sont les esprits qui sont la base de nos problèmes. Il y a des gens qui sont possédés, qui sont dans les églises. Et quand on est à l'église, Dieu doit résoudre nos problèmes. Et quand tu regardes, tu dois ressembler à la gloire. Tu dois refléter l'image de Jésus. Tu dois être un témoignage. Au travers de ta vie, les gens, ton entourage, doivent reconnaître que Dieu est Dieu. On a l'impression que l'église est devenue inefficace parce qu'on limite Dieu. Ou quand quelqu'un a un don, on le blâme, tout le monde l'attaque. Moi, je suis comme ça aujourd'hui, on m'attaque partout, partout. Mais chacun, Dieu a donné un don à chacun. Quand j'ai commencé le ministère, beaucoup m'attaquaient. Est-ce que ce n'est pas les baillis, ce n'est pas les hérédits? Mais l'église est faite pour attraper sorciers. C'est biblique. Quand vous lisez dans Marc 16, touchez la Bible. Marc 16, à partir du verset 18, la Bible dit qu'en mon nom, vous saisirez les serpents. Vous n'avez pas bien parce que vous amenez en vous, vous allez attraper les serpents. On lit la Bible. On peut me lire la Bible. Moi, je sais ici qui est sorcier, qui n'est pas. Oui, c'est un appareil qui est dans ma tête. Depuis 8-6-6, il y a un détecteur. Dans la rue, il y a trois sorciers. Dans la soc aussi, il y a trois sorciers. Partout, il y a trois sorciers. C'est mon don. Il y a trois personnes qui ont dit à ce côté, il y a un monsieur. Ça m'a dit son fils, il dit, oui, oui. Il dit, comment ça? Puis il dit le nom de son fils. Il dit le nom de trois de ses compagnons. Même moi, je l'ai compris. C'est comment? Il est tombé, sa fille dit, faut parler, monsieur, il ne le connaît pas. C'est un sorcier. Il l'a amené chez moi, il a appelé son fils, qui était soupçonné d'être malade. Le gars l'a dû bouffer. On l'a envoyé, il a fait la restitution. Il a fait la restitution, vite, vite, vite. Chacun a son don. Amen. Moi, mon don, là, c'est ça. Il n'y a pas un sorcier sur la terre. C'est une promesse, c'est un don. C'est une alliance entre moi et Dieu. Moi, je délivre sorcier. J'essaie aussi de les terrasser. Amen. Et c'est ce qu'ils sont en train d'enseigner aujourd'hui aux gens. Qu'on a Dieu, on a la protection. Amen. C'est parce qu'on n'est pas reçu peut-être un vrai enseignement. Sinon, le diable ne fait rien comme celui qui est enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, Dieu m'a puissamment utilisé dans beaucoup de régions telles que
Donne-moi de la finesse. Allons-y, je vous assure quelque chose. Vous dites que l'Église a le pouvoir. C'est parce que les gens ne parlent pas du pouvoir. Dieu dit alors, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine. Dieu nous a créés pour dominer sur toute chose. Dites quelqu'un, Dieu t'a créé pour dominer. Et puis toi, tu dors, chien, t'es poussé la nuit. C'est quoi ça? Chien, t'es poussé, bête, t'es poussé, tu dis, ah, bête, t'es poussé. Bête, t'es poussé, tu cries. Chien, t'es poussé. Dieu t'a créé pour dominer sur toute chose. Pour dominer sur toute chose. C'est le but de Dieu pour toi sur cette terre. Que tu domines là où tu es. Tu dois dominer le territoire. Amen. Amen. Et tu rentres dans mon quartier, s'il y a maladie, ça ne vient pas chez moi. Pourquoi ça vient chez moi? Quand l'ange de la mort est venu en Égypte, l'ange passait outre. Chaque fois qu'il y a la marque du sang de l'agneau sur la porte, c'était la présence de Jésus. L'ange n'entrait pas là-bas. La mort ne doit pas rentrer chez vous. Ce qui arrive au quartier ne doit pas rentrer chez vous. Et Dieu doit mettre une différence entre vous et les païens. C'est ce qui va attirer les gens à venir vers vous pour chercher à connaître votre Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu as quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Amen. Il suffit de dire votre position dans le Seigneur, c'est tout. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous recevons notre autorité en Jésus. L'homme avait vendu son pouvoir à Satan. Mais en Jésus-Christ, nous avons tout récupéré. Soit Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Et nous rétons le pouvoir. Luc 10, verset 19, en fait, il marchait. Amen. Moi, je n'ai pas fait. Comment vous faites ceci? Ceci, d'une nuit. Moi, ceci, j'ai le moyen. Bien, mais. Amen. Amen. J'ai le moyen, il a dit. J'ai le moyen très bien. Cette femme, elle a tué 1732 personnes. Pendant 2 mois, oui. Mais ce n'est pas une petite sorcière. Donne-moi les photos, s'il te plaît. Je suis en vous la porte tout à l'heure. Ce n'est pas une petite femme. Je suis rentré dans le village. On a détruit le canari. J'ai la pousse. J'ai ce don là. J'ai ce don là. Quand je m'en vais, si il y a un canari, je déteste ça. C'est un don. Ça va, il y a une petite creusée là. Dès qu'on crée ça, il fait sortir le canari. Ce don là, il y a ça. Cette femme aussi, elle était paralysée depuis la France. Un coup de fil a suffi. Un coup de fil. J'ai dit, c'est dans ta cour. Le problème se passe. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé dans le village, ce qui m'intéressait, c'est le canari des sorciers. On venait de manger une dame dont la chair était là. Je suis allé dans la cour de la dame, j'ai fait sortir le canari. Et la chair humaine. Tout ça. Dieu est fort. C'est parce que vous limitez Dieu. Et quand les gens voient les miracles, ils attribuent ça au diable. C'est ça qu'il dit aux gens, entre le diable et Dieu, qui copie son camarade? Qui copie son camarade? C'est le diable qui copie, c'est Dieu? Ah non, pourquoi un homme de Dieu dit, mais si canari, sorcier dit la canari, on ne dit pas là. Non, mais le feu là ne peut pas gâter ça. On dit, va détruire. Jésus a dit, Lazare, où est Lazare? Où l'avez-vous mis? Non, il sent déjà, mais où il l'a mis? Il pourrait à distance le ressusciter, il allait jusqu'au tombeau, il dit, Lazare, sort. Là, mon ami, là, moi, c'est ce qui m'intéresse. Si c'est dans ton village, j'irai te faire sortir de là. Amen. Amen. C'est ce qui m'intéresse. Là où les sorciers t'ont mis, là. Si c'est dans ton village, il dit c'est dans ton village. Moi, il m'a sur le territoire là-bas. Sur le territoire, j'ai les masses. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je vais sur le territoire, je les maîtrise. Parce que la Bible dit que là où fouleras toi tes pieds, il te donnera le territoire, l'héritage. Alléluia. Cette terre appartient à ton père. Amen. C'est ton héritage. Cette terre appartient à ton père. Satan le sait, il sait qui tu es. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Mais dis amen avec moi. Pourquoi ma peur? Pourquoi ma peur? Non, c'est quand on dit village gêné. J'ai le village gêné prié. Village gêné. C'est je ne sais. Mais pourquoi? Tu as déjà ça, la victoire. Tu l'as déjà. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par tes gènes bizarres que tu fais là. Gènes bizarres. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Revois ta position. Si tu es vraiment enfant de Dieu, reste tranquille. Dieu te protège. Amen. Dis amen avec moi. Amen. La frayeur, c'est ce que le diable va apporter. Or, sans la foi, il est possible de plaire à Dieu. Il va d'abord te frayer. Il va d'abord te frayer. Il ne faut pas avoir peur.
Amen. Amen. Tout obstacle qui se présente à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Moi, je ne vois pas les obstacles comme obstacles. Je vois un miracle parce que l'auteur du miracle, c'est Dieu et c'est mon Père. Amen. C'est pour ça, devant la mer rouge, Moïse est resté tranquille. Pendant que les hommes murmuraient, il dit, garde le silence. Car l'Éternel combattra pour nous. C'est Jésus-Christ que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les aurez plus jamais. Même si c'est une maladie. Et Dieu dit dans Ésaïe 43, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses, non, Ésaïe 43, même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Dans les difficultés, Dieu est avec toi. Amen. Le diable nous fait te faire douter de la parole de Dieu. Pourtant, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole. Faire chair. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Le miracle, c'est possible. Si c'est le miracle, c'est des séries de miracles que je vois chaque jour. Parce que je sais que Dieu est Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut comprendre ta position, qui tu es dans le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas encore de toi, pécheur. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ce que tu es dans le passé, il te fera miracler ça. Il va te culpabiliser. Tu vois, toi, tu peux me chasser. Tu lui dis, je peux à corps du nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Par celui qui nous fortifie. Amen. Dieu a fait des vauriens. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour nous les mauvais. Pour que nous puissions mater le camp du diable. Amen. Satan est vaincu, je vous assure. Amen. Si y a quelqu'un qui est vaincu au nom de Jésus. Nous sommes une armée de Jésus-Christ. Amen. Les plaisanteurs, matez-les. Matez-les. Ils sont faits pour être matés. Vous les caressez. Matez-les. Amen. Amen. C'est une question d'enseignement. C'est vrai qu'on parle du ciel, c'est d'accord. Mais nous sommes devant sur la terre. Il dit tout pouvoir va être dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir du ciel et de la terre. Alors regardez. La dame en question, vous voyez la chair humaine. Ça, c'est la chair humaine. Effectivement, je suis allé prendre cette chair humaine. Dans un village, c'est ça le ministère des prophètes. Le prophétique, c'est la voyance. C'est la voyance. Il faut avoir la capacité de voir. Tu ne vois pas dire des prophètes, tu es un menteur. Il faut laisser appeler les prophètes. Il y a trop de prophètes maintenant. C'est pour ça que moi, je parle difficilement. Je suis un prophète d'action. À l'image d'Élisée et d'Élie. Quand vous regardez Élie, il ne parle pas beaucoup. Amen. Il a ordonné le feu est descendu. Il n'est pas là pour plaisanter. Lui, non. Lui commande. Je ne suis pas là pour parler. Non, qui fait? Je m'ai attrapé, qui fait là? La dame est venue, elle dit, qui est derrière moi? Elle dit, mais j'ai même mon huile là, si toi tu la vois. Elle est partie, sorcière est tombée là-bas chez elle. Sorcière est venue, tu l'as vu. Chez nous, là, c'est bien, il n'y a pas question de. Yeah. Amen. Il y a trop de gens qui parlent. Nous sommes les hommes d'action. Je leur ai dit dans le village, mais je vais capturer le canari. Quoi? Oui. Yo, ah non, il y a tant de prophètes maintenant. Je peux dire, il fait quoi? C'est des petites choses que Dieu utilise pour confondre les grands. Amen. C'est David qui a tué Goliath. Dis amen. Amen. Qui a tué Goliath. Donc je rentre dans le village. J'ai dit, vous les sorciers, je suis venu à côté de vous. Hein. Moi, je suis là. Moi, je pense à. Je suis là. Tant que vous serez dans le village, je vais vous matraquer. Je les provoque. Donc chacun se bon. Quand il se met, je le mate. Parce que je sais qui est cru. Quand David a rencontré Goliath, il a dit, moi je suis venu te tuer. Parce que celui qui est derrière moi, c'est Yahweh. Amen. Amen. Je suis venu t'abattre. Il est en forme. Qui dit toi? C'est pas ce qu'il a dit qui est arrivé. Est-ce que tu crois à ton Dieu? Une petite souris t'amène à. Hé, t'as fait le sorcier. Tu vois Kafa, tu cries. Mon grand-père, il a vu mon oncle. Depuis dormir là, il a vu mon oncle. Tu as un pouvoir en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi. Prends-toi au sérieux. Dis à quelqu'un, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Oui, quand Jésus dit qu'il vous donne le pouvoir, quelqu'un t'a donné un pouvoir. Ah, tu vas me dire là. Attends, agis à ta place. C'est quelqu'un qui doit exercer ton autorité. Il faut ordonner. Amen. Amen. Il faut ordonner. Il y a un fils spirituel qui me soutient. Oui, vraiment, il me soutient. Quand il y a un souci d'argent, c'est déjà réglé. Donc je lui dis, le jour où tu as un problème, moi je règle ça. Mais c'est vrai?
Quelqu'un qui m'a broyé, moi j'ai broyé, moi j'ai broyé dormir, c'est ça. Mais tu m'appelles des problèmes qui ne viennent pas là, je dors sur ton problème. C'est la vérité, je te dis. Une fois que m'a appelé, il y a prophète, il t'a appelé une fois sur Skype. Je dis, je ne te vois pas. Le prophète qui est lié aux offrandes, vous savez pas ça, pour marquer Dieu. Le jour Salomon a marqué Dieu, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, hein, demande-moi tout ce que tu veux. Vous savez pas, on dit les présents, mais grands les cœurs du roi. Vous voyez le monsieur, il a faim. Vous voulez. Elle est là. Quand que un mois dit là, hein, là il a compris. Le lendemain, elle m'a fait, ouais, c'est mignon. J'ai réglé mon problème. Il dit, je lui dis, dans une semaine, ils vont t'appeler pour ton travail. Et là, il dit, le mardi qui a suivi, pas qu'ils m'ont appelé pour ton travail. Le prophète lui ordonne, c'est comme le ciel, il parle, ça s'ouvre. S'il est touché, c'est fini. Donc, ne jure pas le prophétique. Vous venez, le prophète, il vous regarde. Amen. Le prophète vous regarde. Mais je vais vous montrer ça dans la vie. Allons-y dans un Samuel. Excusez-moi, je vais vous montrer avant de toucher l'histoire. Vous savez où jouer le prophétique. Vous n'avez pas que quand le cœur du prophète est réjoui là. C'est terrible. Hein? Je vous regarde. Vous ne savez pas en temps comptant le prophétique. Mais prêtez, exercez mes mains. Il est compris. Il n'en fait qu'un sort. Il vient me manger. Il dit, mais pourquoi je ne peux pas prendre la foi? Le verset 1, Samuel 9, le verset 7, écoutez très bien. Écoutez très bien. Saül dit à son serviteur, Mais si nous allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Quand nous avons plus de provisions dans nos sacs, il n'y en a plus à manger. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici. J'ai su moi un cas d'esprit. Parce que les gens voient le prophète les mêmes vies. Non, papa, c'est comment on vient, on dit, vous murmurez. Un prophète, là, c'est lié à ça. Donc, lui, il est conscient qu'en allant voir le prophète, là, il doit partir quelque chose. Tu dis pas amen. Amen. Acte de biblique. C'est ce qui vous les yeux du prophète. Quand vous allez chez les marabouts, vous ne pouvez pas s'en prendre. Quand non s'en prend, c'est petit, j'ai eu. Vous prenez ça tout, je vais. C'est pour nous la maison où vous amusez ça. Pour nous, là, vous trouvez que c'est compliqué, c'est comme ça. On dit, lui-même dit, nous allons aller, nous n'avons rien. Mais il sait que quand on a lancé, il n'en voit rien, il n'y a rien pour nous. C'est comme ça. Le prophète va te battre, écoutez. Vous êtes là au milieu. Je vous vois au milieu. Moi, il m'en fout de ça. Allons-y. Je le donnerai à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu. Et il nous indiquera. Amen. Je vais lui donner. Il me dit le chemin. Mais celui qui n'a pas donné, il ne dira pas le chemin. Amen. Je dis à la dame, c'est maintenant qu'elle va parler sur toi. Hein? Il dit oui. Tu vois, la semaine prochaine, tant va arriver. C'est comme ça le prophétique. Le jour où la dame, la veuve de Sarepta, et plutôt la femme tsunamite, elle a logé Élisée. Élisée était réjouie à la fin de son séjour. Il dit à la femme, tu as donné de quoi? Elle dit, je vais pas donner quelque chose. J'ai fait ça gratuitement pour les gens. Il dit, ils sont fous de ça. Yazid a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit, l'année prochaine, la même date pour l'enfant. Il dit, c'est faux. Elle a eu un enfant. Le cœur de nom de Dieu est réjoui, béni. Amen. Amen. Le prophétique est fait pour ça. Vous voyez, prophète bénissez, vous allez voir ce qui va se produire. Quand son cœur réjouit, pour là qu'il prononce. Quand Abraham voulait être béni, il a envoyé des anges chez lui. Tout ça, moi, il ne m'a pas cherché tout le monde. Quand il vient chez toi, c'est pas Maïko qui est dans ta maison. Pendant 3 ans, toi, c'est qu'il rentre chez toi tout son mal. Chacun a son don. Moi, Dieu m'a fabriqué à cause de sorcellerie. Si je suis chez toi, au-delà de l'onction, ça s'arrête pendant 3 années. Un païen n'a pas venu prendre sorcier là-bas, ça les tue.
invité les anges chez lui. Ils ont bien mangé. Hein? Ils ont dit, ah, Dieu a parlé, mais maintenant on te dit, l'année prochaine, elle aura un enfant Isaac. Elle a commencé à murmurer. Quand vous lisez la Bible, c'est vous qui savez partir de l'onction prophétique sur vous. Vous voyez les hommes de Dieu, vous les négligez. C'est ton souffle de bénédiction. Attrape-le, bénis-le. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit à mon fils, tu m'es béni. Il a acheté une voiture, ma voiture. J'ai dit, moi, qu'il a eu des problèmes au nom de son service. Les gens veulent le prendre. Il a peur. J'ai dit, donne-moi les gens qui veulent te prendre. Donne-moi leur nom. Il m'a donné le nom. Il tremble. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé ses yeux. Parce que j'ai le pouvoir de lier et de délier. Oui. Va bouger ça. Ou bien. Mais si il ne mange pas, il a mangé. Quand il mange, il marche. Attendez, hein? Dieu n'a pas fait tomber la main du ciel. Il y a des gens qui sont dessous de bénédiction. Ceux là-bas, ils ne vont pas les laisser tomber. Si mon problème là, c'est que moi, il va avoir problème. Donc je me lève et je dis, merci vous. Même si la meilleure, je ferme c'est vous. Parce que le ciel me coûte. Vous n'êtes pas bien, vous ne voulez pas. Matin, il me dit, va, celui qui t'a chassé, celui qui t'a chassé, je ne suis pas prophète. Amen. Amen. Il va rencontrer le premier de tous. Il dit, on a vu les mains. Je veux que, on a vu votre main. Il m'a fait. Il dit, frère, j'ai la clé du ciel. La clé du Dieu nous donne la clé du royaume. Clé, ça sert à quoi? Ouvrir et fermer. Oui. Il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Des hommes. Dieu ne fait pas de toi un chrétien, il fait de toi un esprit. Si tu es avec Dieu, tu dois devenir un homme surnaturel. Tu ne dois pas devenir un homme normal. C'est ça qu'il faut vivre par la foi. Et les gens, il n'y a rien. Moi, je ne dis pas ça. Il dit, il y a ça, il ne te donne pas. Tu dois être vivre, il faut être un homme surnaturel. Parce que Dieu, il a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avant de bénir Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Vous vivez comme ça. Amen. Dieu est Dieu. Il y a un souci d'argent pour régler certaines choses. Comment il m'appelle tout de suite. La sécurité, une dame qui cherche à m'appeler, elle m'a envoyé 100 000 francs. Je suis en train de faire la menuiserie. Ici, là. Je ne vous ai pas dégotisé. Je me suis engagé dans les travaux depuis ce matin. Moi, je suis dedans. J'ai même envoyé le couturier. Ce soir, on m'a dit voici, bon et grave. Recherchez. La foi. Amen. Amen. C'est tout. Si vous fréquentez ici, là, vous allez devenir des gens terribles. Amen. Quelle crédibilité vous avez, vous êtes bizarre. On dirait les enfants Toclo. Quelqu'un qui m'engabat tout le temps, papa va vérifier. Hein? La parole est considérée comme la nourriture. Sans de nourriture, c'est un gaba. Et quelqu'un qui mange caviar, quelqu'un, des croissants. Vous avez même pas moins de croissance. Il grandit plus que toi. Il boit l'air. Amen. Pas de l'embarras. De toi, lui, tu vas grossir. Ça dépend de la nourriture qu'on te donne. Là-bas où tu vas, là, ça dépend de la nourriture. Si tu es mal nourri, tu vas avoir bébé, son nutrition. Un gars bizarre, on ne sait pas comment il est. Tu es vieux dans le Seigneur, mais tu es petit. Tu ne connais pas l'accès du tout. On va les dire, le Seigneur, tu dois avoir. Il y a des gens comme ça. Ceux comme ça, les sorciers, les mangent vite. Ceux comme caramel. Bravo, c'est fini. Il y a des gens qui disent amen. Donc l'onction que nous avons, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Ici, c'est notre spécialité ici. Vous venez ici, là, ce qui nous intéresse, si ça fait des sorcelleries. Ils ont envoyé une dame, une jeune fille, qui est sa nièce. Oh, elle est venue dans un état de folie exagéré. Ça fait maintenant 3 semaines. Ils ont enfermé. Ils l'ont envoyé à Zaro. Quand son père, il dit, il faut l'envoyer. Elle a vu les sorcelleries. Hier, il est causé avec lui. Tu l'as vu, non, toi? Elle a bien parlé. Il l'a vu. Elle était menottée comme ça. On l'a mis dans les chaises. Quand le gars allait, elle parlait, crisse les gens. Tu dis à son mari, de toute façon, tu l'as régalé, c'est pas comme ça, mon gars. Amen. Amen. Il n'a pas compris. Il dit, bon, vraiment, je suis fatigué. C'est fort. Il y a une cause avec elle. Bien habillé. Amen. C'est un miracle, déjà vu un miracle. Je crois au miracle. Moi-même, là, j'avais des maladies dans les poumons. Jésus m'a guéri. C'est ce qui m'a amené à Jésus.
S'il ne fait pas miracle, ah, vous suivez les miracles. Ah, sur quoi? Tu n'as pas vu Dieu. Ah, tu n'as pas vu. Tu as reçu bêtement, mais n'a rien fait pour toi là-dessus. Pourquoi tu es malade ou bien?